Bonjour à tous, donc on va aujourd'hui regarder une nouvelle vidéo français contre français sur en partie classée, donc sur un elo à autour de 1200. Donc la map aujourd'hui c'est essentiellement, ouais, c'est colline et vallée. Donc on commence chacun sur une colline avec trois entrées par colline. Et donc on a un français qui s'appelle Buzel de ce côté-là. Et moi donc j'ai commencé de ce côté-là, donc je vais accélérer un peu. On open tous les deux avec deux cavaliers. Donc open classique. Et donc là en français contre français, donc un peu différent contre 4 HRE. Là l'objectif ça va être de sortir les cavaliers premiers et de mettre une pression sur la gold adverse en premier. Je déconseille de jouer double TC direct contre français parce que vous gagnerez rarement si rush cavale. Donc là de mon côté, 9 à la nourriture, 2 au bois, 2 à l'or. Ma gold elle est un peu plus elle est devant, alors que de son côté il y a une gold qui est un peu plus derrière. On part tous les deux sur école de cavalerie que j'ai pas encore lancé d'ailleurs. Je suis un peu en retard. Ah, voilà. Il en met 3. Et il en met 4. Je pense qu'on va passer l'âge à peu près en même temps. Et donc de mon côté 7. Voilà, là j'en ai 4 en train de construire. 2 au bois. J'en ai mis 3ème, 4 à l'or. Et de son côté, ah, il fait plus de bois. Parce qu'il compte, ouais, il compte partir sur piqué. Ou armurerie piqué. Voilà, alors, il passe l'âge avant, quelques secondes avant moi. Et là on lance tous les deux notre premier cavalier. Et donc lui il part sur une forge. Juste après son âge. Et il va placer son moulin, sûrement pour le faire attaque brouette. De la même manière moi j'ai lancé brouette, j'ai fait mon moulin, j'ai lancé brouette et je suis tout de suite allé chercher les chevreuils. J'ai mon premier caval qui sort. Il a son premier cavalier qui sort. Donc là, timing presque identique. D'ailleurs, je pense qu'ils vont se croiser. Ah, c'est marrant, on va pas se voir. Alors, on s'est croisé. Donc là, il lance son deuxième cavale. De la même manière, alors moi j'ai lancé deuxième cavale et ensuite chevalerie. Et parce que je fais une deuxième écurie, donc c'est pour ça que je lance chevalerie tout de suite. Lui il est parti sur armurerie, donc d'ailleurs il vient de faire brouette aussi, un peu en retard. Par contre il profite pas de son armurerie, donc c'est son premier défaut. Donc là lui il m'attaque mon or, et au même timing j'attaque son or aussi, donc je tue un péon. Je crois que lui il va encore me faire faire encore plus mal parce que j'ai pas réagi. J'ai pas réagi. Donc là ça part mal pour moi. Deuxième cavale qui arrive. Donc là je réagis longtemps après mais j'ai... Alors par contre il va avoir un problème, il va suivre avec son cavale. Il va perdre son cavale. Et là il perd son cavale. Donc ça c'est une erreur. Alors j'ai perdu beaucoup plus de péons. Mais lui il perd un caval qui représente 140 de nourriture et 100 d'or. Donc ça équivaut à 2 villageois et de l'or. Donc c'est un peu critique. Bon, là c'est pareil. Je vais essayer de chercher mon bois. Et moi je remets une pression. Alors lui il a fait aussi. J'ai utilisé son bois pour faire des tours. Ce que j'ai ne pas fait parce que je suis parti sur double caval. C'est moi qui est censé mettre une pression, pas lui. Voilà, c'est pareil, deuxième erreur, il perd deuxième cavale, donc c'est grave pour lui.
Là, il me fait encore mal à me... ouais, mes perrons. Moi, je le prends. Et là, il perd un troisième cavale. Alors, il a 25 péons. Et j'en ai 21. Donc, il m'a pris 4 villageois de plus, ce qui est énorme. Par contre, il a perdu 3 cavales. Je n'ai pas perdu. Donc, si on prend juste les cavales, 3 x 140, ouais, ça vaut l'air. Je suis plutôt gagnant hein, grâce aux unités militaires. Sur... Il a toujours pas fait ses améliorations. Ah si, il a fait l'attaque. Il a fait l'attaque. Il a fait l'attaque. Et moi de mon côté, je suis pas du tout d'amélioration pour l'instant. Par contre, j'ai double écurie. Je fais brouette un peu avant lui. Et là, je lui reprends quelques... Parce que je suis à 22 péons. Et lui, 26. On a quand même 4 d'écart. Faut vite que je réduise l'écart en lui retournant des. Donc là, je vais essayer d'aller un peu chercher son bois aussi. Bon, là, mon gros avantage, c'est que du coup, il vient plus chez moi. Et là, lui, il a lancé, donc il a lancé des piquets. Et ça l'oblige à faire beaucoup de bois et du coup, il est un peu embêté avec l'or avec mes allers-retours. Donc là, en termes d'or, il est à 90, 106. Et de mon côté... Enfin, je suis un peu optimisé, on a cherché tout de suite les serres. J'ai beaucoup plus d'or. Et donc là, j'ai même vu que je suis chez lui. Je vais même me permettre d'arrêter un peu de produire pour essayer d'aller passer là. J'ai un certain moment, je vais refaire encore quelques cavales. Voilà, il perd un péon en plus. Donc là, j'ai réduit un peu l'écart parce que j'ai. On est tous les deux de retour à 28 péons. Voilà, donc quand vous jouez français, n'arrêtez jamais d'arras l'autre. À partir du moment où c'est lui qui vous arrase et pas l'inverse, vous prenez plus de péons. Et lui, il en prend un de temps en temps. Et on prendra forcément l'avantage sur l'autre. Et c'est pour ça que moi je conseille toujours double cavalerie plutôt que défensif, parce qu'à partir du moment où on est défensif, même si on est attentif, c'est plus compliqué de. Voilà, c'est plus compliqué de jouer sur tous les terrains. Et ne perdez surtout pas de cavalerie. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais. Parce que ça coûte très très cher. Donc là de mon côté, il y a un éclair ici. Donc là il se met un peu plus sur l'or du coup. Il sait qu'il a les piquets donc je viens moins l'embêter. Par contre de mon côté je suis un peu plus en avance pour passer l'âge. Alors j'ai créé ma forge. Pour pas avoir trop de déséquilibre par rapport à ses cavaliers. Et alors là je vais commencer à créer un moulin là et pour anticiper la fin des serres ici. Et c'est aussi pour ça que je me repositionne un peu au milieu. Parce que là du coup je vais un peu plus patienter avant le passage de l'âge. On peut accélérer un peu. Il se passe pas grand chose. Et si lui il a vu avec son éclair que je faisais le moulin ici, qu'il va vouloir attaquer. Par contre en ayant mes cavaliers au middle, maintenant je peux l'empêcher de sortir plus ou moins. Alors lui, sauf qu'il a des piquets donc il va les faire jouer.
Ah si, voilà, ils arrivent, c'est piqué. Tranquille, je suis pas top. Je suis pas mon fight model. Là, ça va beaucoup jouer là. Alors là, je sais pas pourquoi il continue pas à pusher avec ses piquets. On s'en rend compte après. Et donc moi j'ai passé mon âge, donc hold the guild. Et là je fais contre-tir à l'arc pour faire des arbalètes ou archers, parce que je sais qu'il fait des billes. Donc là ça me permet de temporiser un max. Là je vois qu'il y en a 3 qui partent, donc je divise, parce que souvent voilà, des fois les piquets se font break, n'hésitez pas à faire des moves comme ça. Et il m'en prend un ou deux, on en perd chacun deux. Donc... Et par contre, il a plus qu'un cavalier. Pour faire chier des péons, c'est plus dur. Voilà, je fais un mauvais fight. Je sais pas ce que j'ai fait. Je perds des cavaliers. Oh là là. Je perds deux cavaliers. Mais j'ai eu le temps de back. Mes péons que je vais amener sur les baies. Bon, c'est moins intéressant, mais. Mais en attendant, j'ai fait mes archeries. Lui, il a pas passé du tout l'âge 2. Il a continué à produire des hommes. En termes de péons, il a 33 et j'en ai 43. Bon, là, il a arrêté de produire des péons, je pense. En plus d'en avoir perdu quelques-uns, donc là, il perd un gros avantage. On va même dire qu'à ce moment-là de la game, déjà, il produisait tout le temps des péons. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait, mais... Après, il y a un petit temps de bâtard. C'est entre le moment où vous avez passé l'âge. Et lui, il ne l'a pas passé, donc lui, il a fait plus de troupes. Mais comme vous pouvez le voir, là... J'ai fait l'amélioration vétéran sur les cavaliers. Plus 2 en attaque maintenant. Et plus 1 en armure. Et alors que lui, il est à plus 1 en attaque. Et donc là, je fais le monastère en plus. Donc là, j'ai l'avantage de passer l'âge avant lui. Vous avez un peu de bois. Faites le monastère, allez chercher les reliques. Je pense que de son côté il va pas tarder à. Alors c'est dommage, j'ai mon cavalier ici, mais j'ai pas vu ces. J'ai pas vu ces villageois au cerf. Je sais pas ce que je fais là. Ouais. Là, je perds un peu le fight. Premier moine qui va aller chercher la première relique ici. Et lui, il a pas encore passé son âge 2 et je pense qu'il est en train de le construire. Alors là, c'est pareil, il est un peu en retard, il choisit l'institut royal. Je sais pas si c'était la meilleure option dans ce cas-là, sachant qu'il a pas énormément de cavaliers. L'institut royal, le gros avantage c'est quand même de doubler, enfin d'augmenter les points de vie de vos cavaliers. Et là, il a choisi l'institut royal, donc par rapport à Old Gould qui vous permet de. Je continue à embêter avec mon cavalier. Qui vous permet de récupérer des ressources.
Cuirasse Rurale, on l'utilisera plus qu'en demi la game, quand on a beaucoup de cavaliers, pour terminer, l'adversaire en mode château. Ouais, j'ai ma première relique. Et donc là, voilà, ça devient plus difficile pour lui. Il perd tous ses cavaliers, il n'y a plus que des piquets. Ce sera pas suffisant pour me push. C'est mal engagé pour lui parce que je viens juste de passer H3. Je vais pouvoir prendre le middle et je vais pouvoir verrouiller cette zone. D'ailleurs, j'ai commencé à faire de la pierre. Ce que je vous conseille de faire dès que vous passez château, mettez quelques péons à la pierre pour pouvoir. Vous avez 800-830 de pierre, faire un premier château pour lock, prendre le contrôle map. Surtout dans cette position de force. Alors, je pense que là. Il va tenter d'aller tuer certains de mes péons. Ce qu'il se dit avec le désavantage qu'il a, donc mon côté 63 péons et lui 43, donc il a 20 d'écart. 20 d'écart et là j'ai deux reliques. Je crois que je vais aller chercher celle-ci. Elle est déjà en route. Ouais, j'ai deux reliques en plus qui arrivent. Donc là je fais mon château. La pierre qui est là pour pouvoir faire de plus en plus de contrôle map. Quand vous voyez que vous êtes en position de force, privilégiez peut-être des fois la pierre à d'autres ressources pour bien vous positionner sur la map. Oui, il est en train de faire sa migration, mais il a du retard. Bon, mes cavaliers. Donc là j'ai mes 3 reliques. Bon, il sait, il va le voir d'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là de la guerre. Voilà, il voit que j'ai les 3 reliques. Il voit qu'il perd ses cavaliers. Il n'a plus que ça. Là, je pense que il va abandonner. Ah, il a abandonné. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un match-up français contre français. Donc vraiment ça se joue beaucoup au start. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.